attaquant a quand même eu trois, quatre grosses occasions de but, hein, pas des situations, des occasions de but. Et puis Dogan a été très inspiré sur les arrêts, sur leurs points forts. On le sait très bien, hein, et on l'a bien vu ce soir, que c'est beaucoup de jeux directs, beaucoup de centres pour Mendy. Et même si on alerte nos garçons, vous voyez bien que ça n'empêche pas, avec la multitude de centres qu'il y a eu dans la boîte, d'être quand même en difficulté. Mais ce que je retiens surtout, en effet, c'est cette solidarité, cette solidité, cet état d'esprit. Ça, ce sont les bases de notre situation. C'est des matchs comme ça. On doit faire des matchs comme ça pour pouvoir se sortir de notre situation. Et les garçons ont envoyé vraiment des bons signaux dans l'état d'esprit. C'est cette jeunesse dans l'effectif. Il faut sans cesse leur répéter, évidemment, que y a de la qualité technique, il y a de la qualité tactique, mais il y a aussi des ingrédients qui sont indispensables, et notamment l'engagement, l'investissement. Et quand on n'a pas ça, on fait un match comme le week-end dernier. Et puis sinon, vous voyez bien, on est capable d'accrocher l'équipe en forme du moment. Après, évidemment, quand on est entraîneur, on essaye aussi de réfléchir comment on aurait pu exploiter. Et on sentait bien qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de situations d'égalité numérique. Et je pense avec plus de sérénité, plus de justesse technique et puis beaucoup plus de calme, on aurait été en capacité de faire plus mal à notre adversaire. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. S'ils étaient sereins et puis un peu plus calmes, ils auront des opportunités. Malheureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu avant de gagner davantage en sérénité et en calme. On sent bien que dans le dernier tiers, on manque de lucidité technique et on manque, je pense aussi, de justesse. Et puis, je pense que dans les choix, on ne prend pas les bons choix et on est souvent, à mon sens, un peu trop souvent dans l'initiative individuelle. Je pense qu'on doit être beaucoup plus collectif et puis beaucoup plus connecté dans les 30 derniers mètres. On n'est pas encore efficace dans l'avant-dernière et la dernière passe.